Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien? Oui. Est-ce que vous avez envie d'apprendre à faire un petit peu de dessin? Oui. De la peinture? Oui. De l'art? Oui. Oui, ça vous dit? Alors pour ça, je vous propose d'appeler une copine à moi. Elle connaît tout sur l'art, elle s'appelle Mélopie. On l'appelle ensemble? Mélopie. 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 Oh, si vous l'appelez pas plus fort, elle va pas venir. Mélopie. La voilà, on dit bonjour à Mélopie. Bonjour Mélopie. Bonjour les copains. Eh, tu te rapproches pour que les enfants ils te voient mieux? Vous avez vu, c'est un joli petit oiseau. Alors Mélopie, les enfants, ils aimeraient que tu leur apprennes à faire de l'art. Oh, mais c'est génial de faire de l'art. Alors, par quoi on pourrait bien commencer? Et si on commençait par le commencement? Oh ben oui. Oui, oui, on va commencer par le commencement. Alors, qu'est-ce qu'il y a, la chose la plus ancienne que vous connaissez sur Terre? Les hommes préhistoriques. Avant les hommes préhistoriques, qu'est-ce qu'il y avait? Les dinosaures. Les dinosaures. Alors, Mélopie, est-ce que les dinosaures, ils ont fait de l'art? Ben non, ils n'ont pas fait d'art, les dinosaures. Ils ne pouvaient pas tenir des pinceaux avec leurs griffes. Non, 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 il n'y a pas d'art chez les dinosaures. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a après les dinosaures? Les hommes préhistoriques. Les hommes préhistoriques, exactement. Est-ce que les hommes préhistoriques, ils ont fait de l'art? Ah oui, ah oui, eux, ils ont fait de l'art. Vous voulez voir comment ils ont fait? Oui. Alors, est-ce qu'ils allaient au supermarché avec leur petit caddie, les hommes préhistoriques, pour acheter de la peinture et des pinceaux? Non. Ils faisaient pas ça? Non. Bah non, ça existait pas, les supermarchés. Oh. Mais alors, ils faisaient comment? Vous avez une idée? Avec du sang d'animal, des fois? Alors, peut-être, mais sinon, ils utilisaient ce qu'il y avait autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous dans la nature qui a de la couleur? Des fleurs, des oui. Des plantes. Des plantes. Des fruits et des légumes. Des fruits et des légumes. Est-ce qu'on peut faire de la peinture avec tout ça, Mélopie? Ah oui, il faut avoir les bons outils. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme outil? Par exemple, si on a... Si on a des feuilles vertes. Oui. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles vertes pour avoir de la peinture? Faut les écraser? Oui, en les écrasant, ça marche. Et pour ça, on a besoin d'un outil. Comment ça s'appelle? Un bâton. Oui. Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Non. Ça s'appelle un mortier. Vous répétez? Un mortier. Mortier. Encore une fois. Mortier. Alors, on met des feuilles dedans et on écrase. Avec un petit peu d'eau. Très bien, donc ça c'est pour faire avec les feuilles. Mais si on a une carotte, est-ce qu'on va mettre la carotte là-dedans? Bah oui. Bah ce sera un peu dur quand même, hein, parce que la carotte elle est un peu plus grosse. Hein. Bah alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la carotte? On peut faire des carottes râpées. En faisant des carottes râpées, exactement. Et pour ça il nous faut quoi? Ça. Ça? Comment ça s'appelle ça? C'est une râpe. Alors, on prend la carotte et on va la râper dessus. Ensuite, on va prendre tout ce qu'on a râpé, on va le mettre dans le tissu avec un petit peu d'eau et on va presser pour enlever le jus. D'accord? Moi, j'adore faire ça. Ah, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Par exemple, si on a des petites fleurs délicates. Eh ben... On la met dans la casserole. Dans la casserole, on peut la faire bouillir. Ah oui, mais là, il faut faire attention, hein. Faut pas se brûler, d'accord? Oui, d'accord. Bon, on va essayer de faire tout ça? Oui. Vous êtes prêts? Oui. J'ai pas entendu, vous êtes prêts? Oui. Alors, je vous propose d'aller traîner dans la cuisine. Et on va trouver plein de trucs de couleurs. C'est parti! Ces couleurs? Ouais. Ça vous plaît? Ouais. Elles sont jolies? Ouais. On les a fait avec quoi? Avec de la terre, des fleurs. De la terre, des fleurs,
des coquelicots, des pissenlits, des carottes, et des carottes et des feuilles. Et des feuilles avec de l'herbe. C'est chouette, non? Ouais. Oui. Alors, on chante? Ces couleurs, c'est un festival. Je fais ma peinture végétale. On chante avec moi aussi. Ces couleurs, c'est un festival. Je fais ma peinture végétale. Fruits, légumes, terre ou fleurs. Je fais de belles couleurs. Je fais de belles couleurs. Allez, on chante. Fruits, légumes, terre ou fleurs, je fais de belles couleurs. J'écrabouille avec mon mortier. On chante avec Mélopie? J'écrabouille avec mon mortier. Encore une fois, j'ai rien entendu. J'écrabouille avec mon mortier. Super! Faire bouillir, apprendre à râper. Vous répétez? Faire bouillir, apprendre à râper. Encore une fois. Faire bouillir, apprendre à râper. Fruits.